Hello tout le monde, c'est Missix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, c'est le week-end et par définition, le moment propice pour parler de lui. Je parle bien entendu de l'artiste et plus précisément de son titre, Blinding Lights, qu'on entend partout. Impossible d'y échapper, si vous me dites que vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne sortez pas de chez vous. MDR, excellent Missix, une blague sur le confinement. C'est original ça. FDP. Bref, on va donc aujourd'hui se pencher sur ce morceau. J'ai posté plutôt cette semaine un remake de l'instrumental. Je précise bien, un remake, c'est-à-dire que c'est purement une reproduction de l'original, pas un remix, et je vais vous expliquer tout de suite comment j'ai procédé. C'est parti. Blinding Lights est un morceau d'un genre pas si nouveau, mais qui gagne de plus en plus en popularité, la synthwave. Ce style musical grandement inspiré des 80s a été révélé au grand public avec le film Drive, grâce notamment à Night Call de Kavinsky, qui soit dit en passant a été composé en grande partie par Guy-Man, la moitié de Daft Punk, et A Real Hero de College and Electric Youth, ou encore grâce à la série Stranger Things et son incroyable générique, véritable bain de nostalgie pour les gens de ma génération qui ont grandi dans les 90s. D'ailleurs, un mashup avait été réalisé entre ce générique et la cappella du titre Starboy de... The Weeknd. Coïncidence ou prédiction ? La synthwave est reconnaissable grâce à ses synthés bien rétro, ses drums bien rétro, sa basse bien rétro et ton rétro. Si vous appréciez le genre ou désirez le découvrir, je vous conseille d'aller écouter les Américains Come Truth et FM84. Ou encore le français Life Like. La structure de Blinding Lights reprend les codes de la pop plutôt classique. Une intro, on t'envoie la couleur du morceau direct avec la mélodie bien catchy du refrain joué au synthé, un couplet, un pré-refrain, le refrain, CTRL-C, CTRL-V, on placera juste un pont par là et une outro. La première chose qui fait bouger nos têtes quand on écoute cette musique, c'est la rythmique. Donc commençons par les drums. On va choisir un kick, une snare et un hi-hat et on va les programmer comme ça. Yeah, on a déjà envie de bouger nos têtes, on va jouer le lead et... Non, ça marchera jamais. On va plutôt jouer... ça, voilà. On va ajouter des pas de couleur 80s qui vont apporter la texture au morceau et marquer la progression d'accord. La basse qui vient faire groover le tout. Et voilà, on a notre gros bloc de refrain bien puissant. Pour les couplets, on va faire un copier-coller de tout ça, retirer la mélodie du refrain pour ajouter un arpège et filtrer le tout. Le moment qui fait taper tout le monde des mains, les gros claps blindés de reverb. C'est quasiment fini, il ne manque que la cerise sur le gâteau, les arrangements. DFX. Des chœurs de jeunes garçons. Et la cloche de ta mère. Vu que j'ai déjà posté le remake sur ma chaîne, le résultat vous le connaissez déjà. Mais j'ai plus d'un tour dans ma besace, comme dirait absolument personne à ce jour, tant l'expression est ultra flinguée. C'est pourquoi je vous ai concocté une petite surprise bien beauf, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas également à me faire part d'idées ou de concepts que vous aimeriez voir ici, je vous mets tous les liens pour me contacter dans la description. Bon week-end et bon chant, et à la semaine prochaine.